Bonjour, dames et messieurs, bienvenue dans la meilleure émission qui décortique l'actualité people d'ici et d'ailleurs. Vous êtes bel et bien dans le Fafa. Ne bougez surtout pas, restez bien scotchés dans vos fauteuils parce que cette émission va déménager. Recevez votre humble serviteur que je suis, Serge Defalé, la légende. Mais je ne suis pas tout seul, toujours là maintenant, désormais, avec ma new binôme, celle-là même qui a les questions chaudes bouillantes. Je parle de bien de la célébrissime et la charmante Chola. Yes. Alors, aujourd'hui, nous avons un invité de taille, un invité assez spécial. C'est quelqu'un, si vous voulez, qui a un parcours très atypique. À un moment donné, il est devenu DJ, il a sorti des sons à Talakou et tout d'un coup, il est sorti dans le milieu humoristique. Mais on n'a pas compris. Comment se fait que cette transition de danseur, chanteur, après humoriste, bon, il a trop de cordes à son arc. Recevez ici, celui-là même, le célébrissime, celui-là même qui fait rigoler toute la toile, oh, qui fait rigoler tout... Non, j'arrête de parler. Le big Ramatoulaye. Ramatoulaye. Ouais, il a parlé de moi. Ramatoulaye. Oh, oh, oh. Non, mais tu parles. Ramatoulaye. Depuis que tu parles, il est frissonné comme ça. Je frissonne. C'est écœurant. C'est écœurant. Qu'est-ce qui est écœurant ici? Tout ce qu'il a dit là, il a parlé de moi, il a indiqué. Oh, j'ai trop aimé quoi, tu vois. Bon, vous avez vu déjà comment l'émission démarre. Chola. Ouais. Bon, l'artiste, l'invité est parmi nous. Ramatoulaye, comment va l'artiste? Ouais, l'artiste va super bien, un peu fatigué, mais wow. Ça va. Ça va. Bon, on sent que tu es en pleine promo. Oui, je suis en pleine promo. Et puis, c'est moi qui j'organise, donc c'est pas facile. Donc, ah ouais. Je suis au four, au moulin. Et au moulin en même temps. Au feu, tout ça là, en bas de le feu, en haut de le feu. Mais grâce à Dieu, j'ai un garçon. Mais, Chola, vas-y. Tu as dit un truc tout à l'heure, tu dis que c'est toi qui organises. Tu organises toi-même ton spectacle sur fond propre, c'est bien ça? Sûr. Mais est-ce à dire que, en général, quand les gens organisent des spectacles, c'est qu'ils ont des sponsors. Mmh. Si Ramatoulaye organise. Il n'y a pas de sponsor. Si, quand non. même. Non, ça dépend. De quoi? C'est un clan. C'est un clan. Un clan voilà, c'est un clan de personnes. Ils se connaissent entre eux, ils s'appellent entre eux. Mmh. On doit t'aider. Il ne faut pas aider l'autre, là, il n'est pas bon parce qu'il m'a frustré. Si, il y a les trucs privés. Mmh. Voilà, il y a les trucs privés, il y a les trucs. Je sais pas comment j'appelle ça même. C'est copinage, quoi. Copinage, une mafia, tu vois. Mm-hmm. Soit tu vas faire une petite bêtise, excusez-moi du terme, un petit truc, voilà, personnel, voilà. Mm. Okay. Un petit truc personnel, la net, là, il oublie le professionnalisme. Mm-hmm. Et puis, il t'appelle entre eux. Non, ferme-le. On t'a déjà fait ça? On me fait tous les jours, si tu as vu comment j'organise. Faut nous semaine, donner quelques noms. Non, je n'ai pas donné. Pourquoi? Donc, tu vois... Mais tu ne peux pas venir t'asseoir chez nous, tu les braises et puis tu ne donnes pas de noms. Mais c'est la vérité, il faut les braises. Station, tu visais. Ah, mais c'est un statut visé. C'est Benoît qui a envoyé ça. Non, on faisait ça au début, mais c'est Benoît, il a mis statut visé. Moi, on le suit. C'est un acte. Mais dans le milieu des humoristes, là, tu t'entends pas avec qui? Au début, il ne m'attendait pas à Galawal. À cause de quoi? Au début. Au début, mais il a allumé une fois, là. Mais c'était dû à quoi? Jalousie, il était aigri. C'est pas jalousie. Ou bien toi, tu étais jaloux de lui? Même pas, ça n'a rien à voir. En fait, moi et lui, on s'entend pas. Quand on donne une scène, quand on le met ici, lui met là-bas. Quand on met là-bas, il met ici. Il dit, bon, attends, comme c'est un abron. Mm-hmm. Ah donc, c'est son côté abron là qui fait qu'il qui le fatiguait un peu. Bablé, abron, c'est un col, mais ça colle pas. Pas trop. Il dit, attends, là-bas, ton côté nous aussi, là, envoie un peu. Mm-hmm. J'étais à Sini même. Il a allumé ça. En faisant quoi? Tu lui as dit quoi? Tes vérités quoi? Oui. Je lui ai dit tes paroles, et puis après, ça m'a fait mal. Je lui ai rappelé, je lui ai dit non. Et Aga, vraiment, comme vraiment, désolé, quoi, était un peu sur les nerfs, tu vois, non, mais toi aussi, souvent, il faut modérer, tu vois. Il m'a dit, moi, c'est un garçon. Qu'un homme qui fait une bêtise, qui appelle pour s'excuser, ouais. C'est que c'est un garçon. Et depuis là, il est devenu droit. Il est devenu droit. Un jour, il a lui, magnifique, mais lui, c'était pas trop. Donc, ça veut dire que dans votre milieu, là, finalement, vous vous entendez pas si bien non, que ça. Non, on hein? s'entend, tu vois, non. Mais moi, j'aime pas l'hypocrisie. Si moi, je te fais quelque chose qui n'est pas bon, allume-moi. Non, mais en fait, on a l'impression aussi par rapport à ce que je l'ai dit, vous, votre milieu là, vos clashs et vos mésententes ne sont pas extériorisés. Mais est-ce que ça, c'est pas de la sorcellerie voilée ça? Parce que non, quand c'est plus dangereux. Une bande de sorciers organisée. Vous ne pouvez pas savoir, parce que c'est un ten. Tu vois, non, d'autres, c'est esten. Pour nous, c'est un ten. C'est un ten, mais c'est là que c'est dangereux. C'est dangereux, non? Oui, mais reste ta garde. Hein? Reste ta garde. Si tu es un pratiquant, un priant, prie bien, comme moi. Tu dois laisser aller prier dans votre loco. Il est encadré, mais là, si tu es un féticheur, il faut prier. Si tu es un féticheur, bien. Dieu a choisi le mal et le bon.
Tu choisis. Quand tu mourras à arriver là-bas. Non, Dieu n'a pas choisi le mal et le bien. Dieu a créé. Merci. Elle ne m'a pas parlé comme ça. Aïe. Tu vas me donner ordre dans mon émission. Il a mis le bien et le mal devant nous. Choisis. Ton propre papa te met à l'école, vous êtes 5. Mm-hmm. Il paye l'école, tout le monde. Si tu n'as pas allé loin à l'école, c'est ton problème. On était 10. On est parti, 9 est parti à l'école. Moi, je suis parti vers l'école. Mm. Après, ils ont dit, ils n'ont qu'à continuer. Mais pourquoi tu es allé vers l'école? Ça ne m'arrangeait pas. Tiens. Quand tu le regardes, tu disais qu'il était très têtu. Les trucs là, les trucs. Et la hiérarchie là. Il faut attendre. Moi, je ne peux pas entrer dans le bureau. Mais toi, tu devais être un garçon turbulent à l'école. Hein. C'est pas turbulent même, c'est troubillon même. Il était troubillon même. J'étais trop mignon. Alors, Rama, des danseurs à DJ coupé décalé jusqu'à aujourd'hui humoriste. Comment s'est fait ton parcours et comment tu es arrivé jusque là aujourd'hui? Moi, je voulais devenir quelqu'un. D'accord. Donc, quand on est humoriste, on est quelqu'un. Allez là. Vas-y, allons-moi. Humoriste, même chanteur, mais on perd de moi. Ah bon? Qui... Par rapport à quoi? On va faire, il y a des cris. C'est quel chanteur qui a peur de toi? Même, allez là. Chanteur, danseur, humoriste, même animateur. Ils ont peur de quoi? Ils ont peur, ils savent de quoi? Ils entendent Ramatoulaye là, c'est quoi qui fait peur dedans? Souvent le cœur quitte pour aller dans foie. Foie à la vie à la place de cœur. Le foie n'est pas là, le foie n'est pas ici. C'est le cœur qui a dit le foie ici? Non, le foie n'est pas là. Ouais, chacun a sa manière de... Donc quel est le foie, oui? Vraiment, on voit là. Cœur est venu, c'est quoi la partie ici? Bon, tu n'as pas arrêté. Mais Chola, on va attaquer Rama dans le vif. Ouais, il rit trop dans notre émission. Bon, il rit trop, c'est pas bon. Faut qu'on te dise les questions. Non, ça dépend. Tu es venu pour ça. Ça dépend de qui. Rama Toulaye. Ouais. Et dans le temps où tu étais encore artiste coupé décalé, où tu faisais les musiques, tu pensais, on dit un moment, tu voulais la chanson juste pour Gourbon pour aller faire le gombo pour plus moyen. Oui. Oui. Tu te faisais passer pour le propriétaire de la chanson. C'est trop parti. Moi, j'ai voyagé ça. J'ai trop voyagé ça. Il y a les volets morceaux de qui? Alagi et Alagi. Mais c'est nous, on a envoyé même et Alagi là. Mais pourquoi tu prestais la chanson du gars? Tu vois? Pourquoi tu prestais ça? Tu m'as déjà vu à te prester ça. Moi, t'es vu à Yopougon. De dire. Où? Dis. C'est où? Il y avait un petit bar Yopougon dans le temps. C'était quand t'es Faro qui gérait. Je t'ai vu prester là-bas. C'était quand t'es Faro, Claire Bailly, Ramatoulaye. On était là-bas, on n'a jamais. Appelez quand t'es Faro. On a qu'à l'appeler, la caméra maintenant. Appelez-moi au téléphone. Mais comme toi, tu es là, faut répondre. Non, il dit, je n'étais pas avec le morceau de Diable Bongo. Tu me dis, tu es dansé avec le morceau. Je t'ai vu. Moi, je toi, tu m'as vu. Je t'ai vu. Et Ramatoulaye. Au moins, nous, on moussait, toi, tu étais où? Seigneur, tu veux qu'on parle de mon parcours? Amen. Au moins, nous, on moussait, toi, tu étais où? C'était pas Yopougon en ce moment. C'était bien ici, tu es dans deux plateaux ici. T'as pas Yopougon. Il y a tous les artistes qui moussaient, t'as Yopougon. T'as pas comment? Attends, André se souvient plus de moi. Vas-y, il a fait des souvenirs. Toi, t'as dit qu'il a volé un morceau de quelque chose, non? Alors, il n'y a pas fait de souvenirs là. Hein? On te dit la vérité. Voilà. Tu as passé pour quoi? Non, ici, en boule, comment il peut voler un morceau de quelqu'un? Pendant que moi, je me chante. Mais qu'est-ce que tu veux? Les gens ont fait ça à Bijan. C'est ce que les gens disent. Oui. C'est ce que moi, je fais. Et peut-être que tu confirmes. Je confirme? Pourquoi tu confirmes? Bah, il t'a vu. Tu peux pas confirmer? Aïe. Tu peux pas confirmer? Quelque chose, mes yeux ont vu. Mais comment il est parlé? Pas artiste même d'abord. Peut-être tu confies pourquoi? Il était pas artiste, il était quoi? Attends, Ramatoulaye. Moi, j'ai dansé avec qui? Tu m'as vu danser derrière qui? Toi, tu n'as pas. Lui, le faisait dire. Moi! Tu as dansé un moula? Seigneur! Quelle horreur! Ah, t'as vu quand il s'agit de toi, tu fais dire Seigneur! T'as pas fait le Seigneur déjà, hein? Ah ah, on va se voiler ici. On n'a qu'à se voiler. On est là pour ça. On va dévoiler. Quand est voilé? Voilà, on va se dévoiler. On dit, tu sors la femme d'un de tes collègues. Ça a commencé encore? Oui. Après voler musique, je suis venu sortir un collègue. Ah, mais c'est quoi, on sait là? C'est ce qu'on te répète. Peut-être que nous, on vient toi. Je peux pas donner son nom. Il y a trop de sons. On dit, tu sors avec la femme d'un de tes collègues humoristes. Ça a créé bafou entre lui et toi. Où? Et quand? À Abidjan ici. Maintenant, le camp, là, moi, il ne sait pas. Hein. Je ne sais pas, toi, quand tu te promènes. À un moment, le gars, il te cherchait en ville, tellement son cœur est gâté. Et puis, on dit, c'est ton travail qui est là.
Anna, vous m'accusez vous-même. Ouais, non, mais... nous on t'accuse, tu c'est nous les gens qui m'accusent. C'est les gens c'est qui c'est ce qu'on nous a dit là, que nous on est venus te dire. Non, voilà, mais là, au moins, il va avoir moins une preuve au moins qui dit que la matulette couche avec la femme de ton collègue. Non, 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 qui va avoir preuve de les choses des 4 murs là. C'est qu'on entend, nous on répète. C'est que c'est des rumeurs. Oui, c'est rumeur là. Oui, donc on vient de dire rumeur. Donc on dit, on te demande, c'est faux, c'est faux. Ah, c'est faux. C'est faux. Il y a quoi là? Dit qu'il vole. Qui ça? Mais c'est faux. Même voler Transbi, c'est faux. Aïe, même voler Transbi. Aïe, quand voler dans voler Transbi là? C'est travail. Oui, c'est travail. C'est travail, c'est pas aujourd'hui. Bon, depuis ton succès là, ton parc auto est gagné. Il y a beaucoup de voitures dedans. Il y a Range Rover. Tout. De cité. En tout cas, c'est bon. Les voitures sont bien, on est content. Des fois, les faux cités. Range Rover, comment on appelle là? Porsche Cayenne. Porsche Cayenne, tout ça. Mais on a donné un son, dit donc que dans les voitures, il y a d'autres que tu n'as pas encore fini de payer. Il y a eu un problème là-bas. Moi-même, il y a vu une de tes voitures qui dort dans un garage. Une range qui dort dans un garage quelque part là-bas. Il t'a pas lancé des pièces. On dit les propriétaires là, tu cherches, je vais te frapper. Avec vous, on s'énerve du début jusqu'à la fin, en fait. Hein, de tromper à réparer vos voitures. Il ne doit pas. Attends, Ramadoulaye, on va y aller pas à pas, il ne faut pas se mélanger. Mm-hmm. Moi, j'ai vu. Tu as vu? Parce que moi, j'ai... non, moi, c'est toi qui vois toujours. Je vois trop. J'ai vu une de tes voitures dans un garage quelque part au loin là-bas. Et puis, on m'a dit, c'est... ton nom même est sur la plaque d'immatriculation. La plaque. Donc, quand j'ai repris le véhicule, j'ai dit, mais attends, c'est la voiture du même Ramadoulaye? On dit oui. J'ai dit, mais pourquoi la voiture est garée là? Il dit, ah, il n'a pas l'air pour payer pièce. Donc, la voiture est dépouillée. Ouais, vous, respectez pas ça. C'est vrai ou c'est faux? C'est faux. Respect au carré. Tu as vu? Non, attends, non, si elle veut faire photo. Non, attends. Okay. Attends. Bon, ma voiture ne peut pas aller au garage. Mon Dieu, ça a trop duré là-bas. Ça a trop duré, c'est-à-dire. Ça fait au moins 2-3 mois la voiture est garée là-bas. La voiture n'a pas fait 3 mois là-bas. Peut-être la voiture est gâtée. Mais c'est ça, on dit tu n'as pas l'argent pour payer pièce. Non, mais ça n'a pas fait 3 mois. Ma voiture, je suis un humain. Ma voiture, si elle est humaine. Ah, voilà. Bien. Donc, si ça se gâte, on doit réparer la voiture. Exactement. Au garage. Mm-hmm. Donc, c'est comme quand un humain est malade là. On l'a pas dans le. Donc il est chez le médecin. Le médecin, oui. Il est en train de le jauger. Mm-hmm. C'est vrai que sa maladie n'en peut pas décliner ça un coup. Donc il est laissé là-bas peut-être un mois, mais c'est trop, peut-être 2 semaines. Mm-hmm. Vois-tu là, j'ai vu ça longtemps là-bas, hein. Il casse après la poussière. Mm. Adama. Ouais, c'est pas, moi, il n'y a pas de médicaments. Tu allais faire quoi? On quitte, je devais te laisser ça. Tu as laissé ça à moi. Je t'ai fait quoi? On quitte des mesures de. Ta voiture dort dans un garage. Je vois la voiture de mes deux yeux. Je pose des questions, on me donne les sons, je t'affaire, tu me dis que tu as laissé ça. Mais c'est comment tu me dis que ma voiture a fait 3 mois dans un garage? Grâce à Dieu, ça va aujourd'hui. Ma voiture peut faire 3 mois au garage, et puis tu me dis que ma voiture a fait. Non, parce que les pièces de range sont chères. Oui, c'est. Du coup, on dit tu peux pas acheter. Même si c'est cher, pourquoi pas acheter? C'est Dieu qui m'a donné, c'est... j'ai pas volé, c'est Dieu qui m'a donné. Donc, du coup, comment tu peux dire non, ça fait 3 mois là? Ça fait 3 mois comment? Ça fait 3 mois, il n'y a pas de médicament, je te jure. Sinon, qui d'ici là? Je te lance ça. Oui, tu vas recevoir quelque chose. Pardon. Ça va prendre du temps pour une semaine seulement. Pardon. Mais... Si quelque chose m'arrive, c'est Ramadoulaye. C'est pas moi, hein. J'ai dit si. J'avais dit si. C'est français. C'est toi, on connaît. Si. Ils ont parlé nous à l'école, mais c'est vraiment, on connaît si. Et puis, j'ai été fait. Tu es sur un plateau, et puis tu menaces aussi dans une. Elle m'a menacé, non? Elle veut m'humilier, non? Moi? Tu m'humilier? Elle veut m'humilier? C'est moi qui ai envoyé sa voiture au garage. Tu veux m'humilier? Moi, je te lance ça. Voilà. Oui. Bon, Ramadoulaye, il faut répondre à la question de défaler. Ah, tu m'envoies là-bas? Non, on dit tes voitures. Moi, j'ai fini pour moi. Tu dis ta voiture n'a pas fait 3 mois, j'ai compris. Jamais. Mais on dit voiture là, beaucoup ne t'appartiennent pas. C'est pour qui? Ça m'appartient, tranquille, tout m'appartient. Toutes les cartes grises là, des véhicules que tu conduis là, elles portent ton nom, les cartes grises là. Elles portent mon nom, Amani Kofi Mathieu. Ça passe dessus. Mais ton Ramadoulaye est quitté et puis ton Amani Kofi. Mais comment c'est pas à notre niveau? Comment un être humain peut s'appeler Amani Kofi et puis un matin on attend que c'est Ramadoulaye? Y a pas ce nom. Mais pourquoi Ramadoulaye? Il n'y a pas ce nom. Il y a ce nom. Mixelou là, lui, c'est son nom. Mixelou, il a fait quoi dans notre. Ah, c'est Mixelou, c'est son nom. Hein? Quand tu as le voir, pour lui demander. Mixelou, c'est pas son nom. C'est son nom, André, mais... c'est Mixelou. Ah, Arabat, c'est son nom. Père son nom. C'est bon. C'est pas son nom? Oh. Molari, c'est son nom. Mais il est fâché pour ça. Mori. Donc, tu appelles Ramadoulaye. Ramadoulaye, c'est pas. Eh, ça colle pas, hein? Amani et puis. Ça ne peut pas coller. La distance entre Amani et Ramadoulaye. Tu es originaire d'où? Tu viens d'où? De Ramadoulaye? Non. De... Oh Seigneur. De quelle région de la Côte d'Ivoire tu viens? Dis-nous, tu es originaire d'où? Tu es baoulé, tu es bété, tu es quoi? De la Ramadoulaye gang. Oh Seigneur. Voilà. On va pas s'en sortir. Tumodi. Non, tu es baoulé. Non, c'est Bella même. On est Tumodi, tu me demandes si c'est baoulé. Mais voilà, tu sais que tu parles. C'est pour ça que tu as demandé à faire Ramadoulaye. Ramadoulaye, c'est le nom de Bella.
Ça fait, oui, ça fait Nigérian, oui, ça fait Nigérian, ça fait où ça? Mais moi, les gens m'ont dit que tu n'étais pas ivoirien. Ça, c'est menace maintenant. Non, mais vraiment, tout le monde. Moi, on m'a dit que tu n'étais pas ivoirien. Ce qu'on dit là, il ne faut pas dire, on les appelle, on regarde mon extrait. Hey, moi, c'est moi, il y a quoi? Non, non, faut répondre. Souvent, vous voulez fuir des débats que vous ne pouvez pas tenir. Tous ceux qui t'ont dit cela, on va aller l'appeler chacun matin, me dire, bon, donne l'extrait. C'est toi qui l'as né, non? Tu donnes l'extrait. Et puis on en passe. Vous aimez toutes les histoires. Quand on ne sait pas, faut se documenter. Le matoulet aussi, il s'efface vite. Non, il est très coloré. Vous me voyagez, ah non, le matoulet, il fait rire, il est trop bête. Oui. Il rectifie, je suis bête. J'aime la bêteté, la bête écologie. Mais j'ai aussi une colère aussi à moi. Je suis très brut. Bon, pardon, ta brutalité là, c'est pas ici que tu vas venir. Non, en tout cas, jusqu'à présent, quand même, quand même. Non, on ne va pas parler avec lui. Vous avez encore calme. Dis-nous, parmi toutes tes conquêtes dans ta vie féminine. Parmi quoi? Toutes tes conquêtes. T'es beau. C'est malin. Non. Non, avant d'être marié, tu n'es pas de beau. On va dire avant. Oui. Avant ton mariage. Voilà. Les conquêtes que tu as eues parmi. Mais pourquoi tu dis les conquêtes? Ah, tu n'as pas eu beaucoup. Tu parles de tes ex. Comment tu peux me dire mes ex? Alors, toi, tu n'as pas eu beaucoup d'ex. J'ai pas beaucoup de ex. Mais tu as des ex. Tu as tes ex. J'ai des. Faut pas mettre des. Une ex. Une ex. Voilà. Un ex, quoi, ça veut dire une ex, c'est mieux. Sinon, non, tu peux pas. Donc, quand tu dis un ex, donc, toi, là, tu c'est dis bizarre, quoi, que, parce à part ton mariage, là, c'est une seule femme, quoi. C'est après, madame, un homme. Après l'ex. C'est un mari. Hein? Non. J'ai entendu. Tu as dit un ex. Tu as dit un ex. Tu dis, tu n'as pas une ex, tu as un ex. Donc, je demande si tu. Non, c'est mal parlé. Ah, bon, d'accord. Non, tu as dit un ex. Ah, tu dis un ex. Donc, c'est que tu as un ex. C'est pour ça que tu demandes. Non, en fait, je veux pas qu'on mette. Qu'on appelle ça. Des. Voilà. Je me suis trompé. Mais tu peux pas d'elle là, mais t'as pas tout là. Si tu veux pas d'elle là, tu vas pas me dire que avant ton mariage là, que toi t'as connu une seule femme et puis tu t'es marié. Il peut pas dire ça. Une seule femme, même ma femme la connaît. Arrête. Ma femme l'a connue. Donc avant elle là, toi tu connais rien d'autre. Non, j'étais. Puis non, tu t'es vieille jusqu'à quelle heure? Très vieille, jusqu'à à 30 ans comme ça. C'est pas vrai. Je te jure, hein, je vous en conjure. J'étais vieille jusqu'à 30 ans. J'ai connu ma femme et puis. Un an après, non, j'ai connu l'ex là. L'ex là, oui. Voilà, elle est un peu trop grande. C'est elle qui t'a divergé. C'est elle qui m'a violé. Voilà. Déjà là, même pas vu, je ne pas. Et puis. Elle m'a violé. Elle s'est quittée la salle maintenant. Ça va durer. On a fait des histoires. Et puis, elle m'a dit ma femme. Hey. Non, moi, je suis désolé, je ne te crois pas. Tu m'arrêtes ça. Même si c'est bon, tu vas croire. Non. Moi, mais je ne te crois pas. Je t'en veux pas même. Mais toi, c'est ça qui t'a. Mais on dit. Oh mon Dieu. Mais on dit ta femme, en fait, c'est ta femme qui te fait. Mais fais comment? Ah, on dit c'est, si elle n'est pas là, Ramatoulaye, c'est fini pour toi. Hein? Financier ou bien, moralement ou bien, physiquement ou bien. Ah, on dit, quand, on dit les amours que tu fais là, c'est elle qui fait ça pour toi. C'est elle qui fait que tu as du succès. Ah, les amours là-bas. Elle est piquée même que moi. Ah, on est piquée dans les amours. Ma femme est piquée, elle ne parle pas de l'argent, elle ne parle pas des amours. Non, moi je ne parle pas d'argent. Hein? Je dis, on dit tu as du succès. Mais c'est ta femme qui est derrière ce succès à la base. Pourquoi? Parce que c'est elle qui fait les amours pour toi. Et puis, Ramatoulaye est explosé. Hey, mon côté gauche, je n'aime pas même. Et puis? J'aime mon côté droit. Quoi. Ah. C'est même pour me poser autre question. Tu as vu que lui, il a bien blanc, non? Lui, c'est l'ange. Moi, je suis noir, non? Ah, c'est ça. De l'ange Gabriel. Seigneur, l'ange Gabriel, même. C'est normal, pourquoi c'est tout ça, c'est vous. Mais toi et moi, on a porté même poule. Non, c'est vous qui faites là. Mm-hmm. Tous les anges sont blancs. Mm-hmm. Mais les Satan, il est noir. C'est ça. Merci beaucoup. Mais là, tu as pas posé la question. Mm-hmm. Parce que c'est que Rochelle est en train de te poser comme question là. Oui. Mm-hmm. Moi, j'allais en venir. C'est ce qu'on dans a entendu. Dans le sens où, quand j'ai demandé, et tes anciennes conquêtes là, tu veux pas parler de ça. Tu tournes, pourquoi tu fais ça? Mais la conquête, je fais quoi? Non, mais j'allais en venir à la question, mais tu évites, mais tu dis non, non, non. Mais j'ai été dégagé à l'âge de 30 ans. Donc, tu veux quoi? Vous voulez quoi d'autre? À part l'autre, la fille qui a croisé madame, bah, on n'a pas duré, on a duré ensemble, elle aussi, on a fait, bah, on est mariés, bah, elle est en Europe, bah, j'ai dit, ça va chez moi. Donc ta femme ne vit pas ici, elle vient de mes enfants, arrêtez, à un moment donné, il faut arrêter. Mais donc, je comprends bien, tu vis l'amour à distance. Avoir les c'est enfants ça? En France, ça, oui. c'est ça, il dit quoi, Jean, tu es trop arrivé, payer tes enfants sont en France. Mes enfants sont en France, et madame, elles sont en France, et la venue de mes enfants sont garantie, heureusement. Bah. Être en France, ça, ça garantit à venir. Tu dis quoi même? Voilà, dépend de comment tu vis. Il est animateur, Fafa. Ça dépend de comment tu vis. Voilà. Bon, Rama, dis-nous, est-ce que toi, tu es déjà tombé sur une de tes conquêtes qui t'a fait mourir, qui t'a fait rire, mourir, c'est-à-dire une de tes conquêtes qui fait la comédie pour te faire rire. C'est ma femme, hein. Ta femme aussi est humoriste. Alors, en fait, je l'ai mis dedans. Ah. Ok. Mais en retour, elle m'a tué.
Donc je vais t'envoyer les bombes. Elle va me tuer. Ce moment il envoie mes amis. Maintenant dans mon WhatsApp bébé. Je suis un peu stressé à cause de mon one man show. Tu peux me faire une note vocale. Elle a commencé à dire, elle m'a dit, bon, quand il est rentré, il quitte le boulot, quand il arrive à la maison, il va te faire une note vocale. Ok, donc comme ça, elle improvise des blagues aussi. Elle improvise des trucs, elle me donne un peu les trucs. Souvent, elle me prend moi-même mes propres blagues. Blague, hein. Et puis, elle me ramène. Elle te ramène. Ouais, ça me fait plaisir. Et puis, elle rit. On a partagé tout ensemble, en fait. Très intéressant, Ramatoulaye, mais tu n'as finalement pas répondu à ma question, à savoir, les gens disent que c'est ta femme qui fait ton succès. Parce que apparemment le papa de ta femme, je ne sais pas s'il est marabout ou un truc comme ça. Eh oui, c'est ce que j'entends, je te répète. Oh. Moi, sur là, ce que j'entends, là, c'est ce que je ramène dans Fafa. On dit, on ne sait pas. On dit Fafa. Le papa de ta femme, on dirait, il est dans les trucs. Tu vois un peu. Donc, grâce à lui, ta femme, par ricochet, c'est elle qui fait tous tes petits amours, tes sacrifices et tout ça. Et c'est comme ça que le succès de Ramatoulaye a commencé. Qu'en est-il exactement? Tu as entendu? C'est faux. C'est archi faux parce que madame. Elle est rouquine, non? Elle est rouquine. Dans une rouquine, elle ne peut pas faire un médicament. Elle est déjà chanceuse d'y aller. Donc c'est sa chance, tu prends quoi? Tu prends son doigt où? Il y a pas de doigt comment? Elle est déjà chanceuse. C'est une dame chanceuse. Moi, je dis, grâce à Dieu. Tu as vu quoi sur elle pour la marier? En général, vous voyez les étoiles des femmes là, ils peuvent les marier. Donc tu vas me dire que. Si elle vit dans ce que ça fait marabout avant de venir la voir. Mais c'est ce que tu as fait. Au moins, il connaissait ma femme, il était naté, il était piqué, il était dans une autre vie. Moi, je me demande, même, comme elle a fait même pour accepter quand on dit, je me demande. Il était dans une autre vie. Femme était jolie, claire, puis elle habitait en Cité des Arts. Moi, j'étais à Yopougon. Il me cherchait, non? Tu l'as rencontré où? Cherchait pas. Yopougon, Cité des Arts. Il y avait routier. C'était quand un enfant de pauvre, quand tu as reçu la cité, ça va de loin. Il y avait routier. C'est un routier de blague, ça. Aïe, fait bon, elle est fan de ça. Donc tu l'as mis la routière. Elle mis, lui a donné Botillon, parce qu'on a. Botillon! Mon Dieu! Maintenant, Ramatoulaye. Ce que je veux comprendre, tu nous as dit tout à l'heure que tu as été dépucelé à 30 ans. Ok. C'est parce que les filles là ne voulaient pas de toi payer dans ta galette. Il n'y en avait rien. Comme tu étais bien belé façon là. Tu étais bizarre même, bizarre, en fait. Sidien, tout ça là. À l'époque, ça dansait. Il dansait direct qui même. Non, il était un moment. Il dansait partout. Il dansait partout. Un peu comme les anges parous. Il dansait partout de maquis en maquis, boîte en boîte. Mais il avait ça comme les anges parous. Tu m'as vu en train de voler morceaux de moi, je t'ai vu quand tu es devenu artiste. Là-bas, quand tu chantais. Quand tu chantais. Sinon, auparavant, il a dansé comme les anges parous. Les gens qui s'est baladé de maquis en maquis. Pourquoi les beaux-là ne voulaient pas de lui? Non, les gens ne voulaient pas. Bon, il a pris la ville. Tu n'avais pas besoin de dormir. Il doit dehors. Il a envoyé la villa où? Donc là, il a connu madame là, le domaine d'une maison déjà, à Yopougon. Voilà, en ce moment, il pourrait aussi blaguer la fille aussi pour envoyer la maison, mais c'est dans notre vie, hein? Ouais. Le même jean, le même pantalon, la même chaussure, le même body, la même montre. Là. Mais quand tu dansais, on ne te payait pas? Mais tu en payais combien? Ah, moi, je ne sais pas. À son temps, on payait combien? C'est maintenant qu'on appelle à son âme à révolutionner un peu les danseurs, les danseurs, les bénos, qu'on appelle à la Côte d'Ivoire. Je t'ai vu, tu avais porté un t-shirt là, il y avait Versace. Il y avait beaucoup de marques sur le même t-shirt. Tu te rappelles, non? Je me rappelle très bien. Association de tous les gars. Tout. Attends, nous fatiguons à ce moment-là. Tout le monde là. Tout le monde avait les marques. Moi, il n'y en avait pas. Il n'y avait pas, il dit. Il y avait un t-shirt là. Il y a tous les marques dessus. Tous nos marques sont dessus. Il y a payé. J'ai dit, mais Ramatoulaye, ton t-shirt, pourquoi il y a Dolce & Gabbana avec ça? Il dit, vieux, comme tout ce que vous avez, je n'ai pas. J'ai payé un tricot, il y a mis tout là. C'est-à-dire que lui, il y a longtemps, la cohésion de comédie. Ah, d'accord. Il a mis tout. Quand on voit ça, on dit, il veut critiquer. C'est vous qui voyez. C'est vous qui voyez. Moi, je sais que il y a tous les marques sur moi. Tu fais malin, il te montre ta marque. C'était chaud, hein? C'était très chaud. Faut nous raconter un peu comment ça a commencé quand tu es rentré dans le monde des humoristes. Qu'est-ce qui était le plus difficile pour toi? Non, grâce à Dieu, rien n'a été difficile parce que quand il rentrait dans le monde, il y a eu 6 personnes qui allaient négocier, qu'on appelle ça, à la RTI. Il dit non, on a nos petits à Yopougon, il est très dingue. Si lui vient, il va éteindre tous vos stars là. Deux jours, la RTI m'appelle, me dit bon. Depuis qu'ils ont commencé Bonjour là, ils n'ont jamais plaidé pour... 6 personnes n'ont jamais plaidé ici. C'est eux-mêmes qui cherchent souvent d'autres personnes. Puis dans 2 personnes, bien une personne, vous dites bon pardon, il faut le prendre, c'est mon enfant. Mais pour moi, il y a eu 6 personnes. Donc il m'appelle et me dit, mais tu es fort comment? Il me dit, bon viens, tu vas monter ta forteresse là. Donc, ta forteresse? J'ai déjà dit que... Non, continue. D'accord. Donc voilà comment on me dit, bon, voilà ta chance. On va donner le temps. Si tu as su saisir ta chance... C'est le bonheur. Et j'arrive, le jour J, il vient une valise. Il ne sait pas quel habit je vais porter. Maintenant, lui qui va me tuer, maintenant, c'est Keïta.
Ah oui, Keita, oui. Ah oui, il est trop speed. Et puis, il n'a jamais joué devant une foule comme ça, à la 4000 places. Je suis là, et puis on me dit, il est là. Je suis perdu en même temps. Donc, il arrive, il prend valise là. Au lieu d'aller dans la loge, c'est où on urine là. Que moi, j'ai déposé valise là. Et il était paniqué. Moi, c'est pas de jouer maintenant. Il joue. Je porte ça, c'est pas ça. Mais il faut t'habiller, oh, c'est tout. J'ai fini m'habiller. Il porte une veste, il arrive devant le truc. Il me dit, non, il n'est pas encore l'heure, il faut se te mettre à côté là-bas. Il est devenu fou. Il t'a stressé. C'est ce qu'il a fait là. C'est 2 heures après qu'il a joué. C'est ton spectacle où tu es monté sur scène la première fois. Première fois en Mouba voilà. Donc ce jour était stressé. Tu avais 11 ans pompé, Baïgona. Voilà. Mm. En fait, en réalité, le monsieur m'a aidé. Il m'a mis la pression. Là-bas, il m'a amusé. Il fait mes blagues, il m'amusait, il riait. Mais depuis, il m'a dit, viens t'habiller, puis il m'a stressé là. Je suis resté dans la logique directement, comme ça, pendant 2 heures. J'ai réfléchi. Demain, ton mari a tapé là. Si tu montres, si tu as dit, qu'est-ce que tu as fait? C'est voilà comment, puis pendant, après 2 heures, quand je suis monté, le stress pouvait me tuer. Mais quand il a touché le micro, est-ce que c'est facile de faire rire un public? C'est jamais. Bon, c'est le travail le plus dur. Ouais. Et la musique, c'est la même. Tu as appelé Safarel, tu as appelé Henri Patron, tu as appelé Zouglouma, DJ. Tu les appelles là. Même s'il est passé, il est tombé, qu'il revient à nouveau, il va jouer les anciens morceaux avant de venir jouer le nouveau morceau. Mais l'humour, il y a un silence total. Okay. Et puis on dit, faut mentir. Maintenant, ce qui est difficile dans cette histoire, il ne faut pas raconter les mêmes blagues. Bah ouais. Bon, Choula, c'est ce qu'on va faire à l'instant même devant le public de Fafa. Ramatoulaye. Improvise. Comment quelqu'un qui louche et dit suivez mon regard. Ensuite, ton regard comment? Que ferais-je de sans mensonge? Moi, c'est inné. Tu vois, j'espère que le photographe va manger. S'il n'a pas mangé, quand il va voir ces deux-là? Tout le monde est coucou comme ça. Et songez. Tu es d'accord? C'est vite fait. Non, ça c'est vite fait, j'ai vu de ça, ouais. Tu vois non si. C'est ma nature. Donc du coup, c'est pas, parce que nous on veut comprendre comment tu fais pour non, improviser. Non, c'est Dieu qui donne, tu vois non. Maintenant l'improvisation c'est dans, sur le tas. Okay. Ce que je vois, là je prends. C'est ça qui t'inspire. Et vraiment si je vois. Puis quand je vois la foule, je suis déjà inspiré. Sinon à la base, quand je quitte la maison, je ne suis pas stressé. Il n'y a rien dans la tête. Mais quand une fois que j'arrive au lieu du spectacle, le stress monte. Mais quand il touche le micro, c'est parti. Il fait ma petite prière. Est-ce que Ramatoulaye n'est jamais monté sur scène une fois et puis bon, il a eu à ne pas faire rire les gens? Non, c'est pas. Tu n'as jamais tapé pour toi à ce niveau-là? C'est pas encore arrivé. Et si ça arrive, comment tu vas réagir? Parce qu'un jour, il fallait taper un poteau de les riches là. Mais il a improvisé. Les gens qui ont beaucoup de l'argent là, pour lui là, c'est difficile. Hein, ouais. Parce qu'il pense qu'il a beaucoup d'argent dans son compte, il ne peut pas se laisser aller. Donc pour lui. Mais c'est l'argent qui le tout fait bien. Ah, ses amis sont là. Faut pas savoir qu'il rit bête. Je me dis, elle est là, elle va pas l'étouffer. Quand il voit qu'il a 100 millions dans son. Donc, personne ne riait. Donc, c'est cette blague-là que j'ai fait. Et puis, tout le monde a laissé. Il dit, voilà pourquoi j'aime pas jouer sur les riches là. Parce que pour rire, c'est un problème. Et comment quelqu'un peut rire André voiture? Mais c'est quoi ça? Et puis ça, tu as trouvé quand il va finir, il est ici là. Il va mémoriser tout ce qu'il a dit, arrive à la maison là. Ah, il est trop. T'as vu quand Ramatoulaye a dit ça là, non? T'as vu non? Yeah. C'est quand bon mari, t'as dit, moi ça. Tu as l'argent, pas l'argent, tu as pas dit, ton ami est là. Lui aussi, il a envie de rire. Si toi, tu ris, qui rit aussi? Vous riez, au pire, on me donne votre argent et vous riez pas. Ouais. Alors, moi, il ment pour avoir de l'argent. Tu vois? Donc, il a failli m'avoir, mais quand il donne cette blague là. Je te jure. Ils se sont laissés aller. Voilà. Après, j'ai plus les 10 000. Ils ne sont pas dans la maison. Mais on dit justement que vous, les humoristes, là, vous êtes des racketeurs. Non, ce n'est pas nous. C'est Zouglouman qui est racketeur. Vous les avez dépassés maintenant. Vous les avez dépassés maintenant. On dit c'est vous qui êtes les flambeaux. On dit vous là même, vous abusez. Non, moi, je ne suis pas dedans. Moi, je fais pour moi. Mais certains de tes collègues le font. Même moi, je fais aussi. Mais quand tu fais, il faut savoir le faire. Tu vois, tu fais avec ferveur. Tu vois, non? Tu fais quand ils sont contents. Ils sont contents. Ils sont contents de te donner l'argent. Ils se disent, oh, il est trop marrant, tiens. Oh, il est trop marrant, tiens. Mais quand ça devient trop monotone, ça devient de la mendicité. Tu as oublié de la donner la gratuité. Non, mais il faut dire les choses telles qu'elles sont. Elle dit les mots qu'il faut avec. Comment mendicité? Mendicité, la mendicité est devant la mosquée. Pourquoi mendicité? Vous n'êtes pas devant la mosquée. Le mendicité n'est pas spécialement devant la mosquée. Faut dire, ça devient. Les mendiants, il y en a partout. Faut dire, ça devient un peu de trop. Mais tu nous as dit ça. Ça devient de la mendicité, je le dis comme ça.
Il y en a qui sont des mendiants, clairement. Nous sommes des mendiants. Ah bah, assume donc. Nous sommes des mendiants, mais pas dans ce sens que toi tu dis là. Mais attends. Des mendiants voilés. On a vu des humoristes, un Ramatoulaye. Le ministre en face de lui. Non, moi, mais il aime pas. Et puis, il abuse. C'est-à-dire que, monsieur, il insiste. Non, il faut que le ministre lui donne de. On a vu, je ne veux pas le citer là, c'est quand il va venir s'asseoir ici qu'on va faire sortir. Mmh. Mais voilà, donc, non, moi, il n'aime pas ça. Ça devient de la mendicité. Non, il faut moi, être mais sérieux. Faut pas dire ça comme ça. Ah, mais je vais dire quoi, je dis pas. C'est vrai qu'il a demandé fort. Mais pas dire ça comme ça, fort. Mais il a demandé fort. Fort, voilà, il a demandé fort. Mais donc, c'est de la mendicité. Quand il dit mendicité, c'est comme il est devant l'église, devant la mosquée, tu vois. C'est frustrant. Hmm? Il a mendicité. Il aime blesser. Mmh. Il a. Laisse-moi doucement. On va se blesser. Alors, Rama, dis-nous, qu'est-ce qui s'est passé entre toi et puis ton ancien manager, Kosunou? Parce qu'il dit que depuis que tu as. Bon, qu'avant tu étais en galère, tu étais. Puis maintenant. Voilà. Il a dit que tu étais ingrat. Que tu es un gros ingrat. Tu vas partir maintenant, tu as eu Pia. Bon. Voilà. Tu roules les grosses voitures qui dorment dans les garages, tu ne payes pas. Ce côté-là, moi, je n'ai pas encore compris. Il a le gros, on va dire ça, mais les galettes ne peuvent pas payer pièce. Il est ingrat envers son premier manager. C'est dommage. Moi, il vient plus. Hein. Tu vas venir. Je te jure. C'est ma dernière maison, je vais faire. C'est quelque chose, ça finit jamais. Et puis ça sort comme ça sort. Il est voyé ça à la télé. Hein. Mais je vais venir vivre ça. Exagéré. Il oui, faut nous parler de Kosunou. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, il n'y a rien eu. On s'appelle tout le temps. Hein. On s'appelle toujours là. Rien n'est gâté encore. Tu vois, on a toujours des bons liens. On ne s'est pas séparé en queue de cheval. On s'est séparé dans de bons thèmes. Voilà, il a décidé de faire autre chose. Moi aussi, il continue dans ma bêtité. Voilà, il a trouvé que je suis trop bête. Voilà, donc maintenant, lui, il va aller dans le côté. Il n'est pas bête. Voilà, donc il n'y a pas de palabres. C'est bizarre, j'ai du mal à. Accepter les propos de Ramatoulaye parce que quelqu'un qui décide que je suis trop bête, j'arrête de collaborer avec lui. Ouais. Non, mais c'est son travail, c'est ce qu'il laisse dans la bêtise là. Il gagne son argent, donc qu'est-ce qu'il va me déranger? Ramatoulaye, tu ne nous dis pas toute la vérité. C'est la vérité. On dit, quand tu n'avais rien, le monsieur t'a porté. C'est moi, il est porté. Je te dis ce qu'on m'a dit là. Attends, je vais finir d'abord. Tu veux récapituler? Attends, je vais finir. Ouh, j'aime m'assassiner. On dit, le monsieur t'a porté. Il ne m'a pas porté. C'est moi, je l'ai porté. Mais pourquoi tu veux m'interrompre? Laisse-moi terminer ma question. Parce que, Hervé Kosunou, ce n'est pas lui qui est venu vers moi pour travailler. C'est moi qui lui ai dit, viens travailler avec moi. Mais c'est en cela que lui, il t'a porté. Attends, maintenant, c'est moi, mais je l'ai formé. Mais pourquoi tu veux m'interrompre? Laisse-moi terminer ma question. C'est après notre émission. Non. Tu me laisses terminer ma question, puis tu réponds. Moi, je suis au milieu de la gauche, droite, non. Donc, c'est comme si c'est moi qui suis l'animateur. Donc tu es venu pour nous dominer? Oui. Non, ça ne peut pas se passer comme c'est ça. C'est pas me calmer. Il y a je dis que Kosunou, avec son affaire, tu es Ramatoulaye là. Il n'y a pas d'histoire, moi, avec Kosunou. Mais Kosunou. Il t'a porté un peu. Mais il m'a porté, c'est moi qui l'ai porté, c'est moi qui lui ai donné la chance. C'est toi qui lui as donné la chance. Mais il était poisson quand tu le rencontrais. Il était l'assistant de mon ancien manager. Et l'ancien manager est parti. Qu'est-ce qu'il fait là? Il s'en va. C'est moi qui lui ai dit non, ne va pas. Viens travailler. Okay. Donc, moi, je le forme. Voilà, tu l'as formé. Il me donne sa connaissance. Il me donne sa connaissance. Moi, je le forme. Exactement. Donc, on s'est donné un coup de pouce. Voilà. Voilà. Donc, quand tu me dis, il me porte. Non, il faut dire, on s'est porté. Bon, vous vous êtes porté. Donc, voilà. Comme toi, tu dis. Maintenant, quand vous avez fini de vous porter là, comme toi, tu sais que tu as évolué, tu l'as déposé. Toi, tu as dit, on s'est porté. Après, vous avez fait quoi? On s'est déposé. Quelles sont les raisons de votre déchargement? Il n'y a pas d'histoire. De déchargement. Il n'y a pas d'histoire, moi, avec ce nom. Vu qu'aujourd'hui, même. Tu ne lui dois pas de l'argent? Jamais. Au contraire, même. Non, ce n'est pas ça. Ah, mais quand tu dis au contraire, c'est pas ça. Au contraire. Ou bien, il a la d'un combo dans ton dos. Il n'a pas jugé ma femme. Deux, il n'a pas pris mon argent. Trois, il n'a jamais. Il n'a pas pris l'un des de combo. Il s'est jamais foutu de moi. Cinq, il n'a jamais volé l'un des combo. Il était toujours fidèle. Okay. Il n'a jamais pris 200 000 pour dire c'est 100 000. Ça, je respecte pour ça. Il n'y a eu rien. C'est lui seul qui a décidé un matin. Que tu es trop bête. Lui, il ne peut plus travailler. Aïe, je vais parler, c'est quoi? C'est ton histoire. Aïe. Il a décidé matin, il a mis sur internet que non, lui ne travaille plus, hein, Ramatoulaye. Je parle avec elle. Aïe. Dame, ici, Ramatoulaye, s'il te plaît, donne la date de ton spectacle. Parce que, oui, c'est le matin, il fait mal. Oui, donne la date de ton spectacle. Avant que Ramatoulaye ne donne la date de son spectacle, il y a un truc qui me chiffonne. Il a dit tout à l'heure que ses enfants sont en Europe, leur avenir est garanti et tout ça, Ramatoulaye. Je suis un peu choquée d'entendre ces propos-là parce que. Tu veux dire quoi? Les enfants des autres qui sont à Abidjan ici, là, ils sont ratés? C'est vous qui voyez. Hein? Non, mais ça veut dire. Attends, Jean-Pierre, tu as un peu d'argent, tu envoies tes enfants en Europe. Moi, vous voyez. Né où?
Toi-même, tu es né où? Je suis pas né à Abidjan. J'ai grandi où? Tu as grandi ici? Maintenant, il y a eu l'argent. Ici? Maintenant, tu as eu l'argent ici, là. Tu peux parler avec les Européens. Ah, voilà. Vous voyez? C'est de ça qu'on parle. Il y a souffert où pour avoir l'argent, là? Ici. Et puis, il y a souffert mon enfant obligé d'être ici. Ça fait quoi? Les enfants des autres sont ici, là, ça fait quoi? C'est ton enfant. Tu es libre d'envoyer ton enfant où tu veux? Les enfants, ils sont trois. Ils les ont départagés. Les trois, actuellement, sont en France. Une va à Londres, l'autre va aux États-Unis. Le moment, elle est à Paris avec le plus grand. Qu'est-ce qui t'empêche de les laisser ici? Ils ne peuvent pas réussir. Il y a quoi même? Ici, ils ne peuvent pas réussir. Tu les envoies là-bas. Ils sont vont voler la recherche de là-bas. Et puis, ils viennent. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Donc, en fait, tu apprends à tes enfants à voler. C'est pas voler, on est richesse. Donc, ils vont prendre les, en fait, la connaissance, la mentalité de là-bas. La connaissance même. Et la mentalité. Venir investir au pays. C'est un projet. Vous devez me soutenir. Madame, même madame, elle n'était pas d'accord. Ah bah voilà, elle au moins. Elle ne voulait pas. Le dernier là, quand il voulait naître là, je dis, hé, hey, à l'aéroport. Aïe, comment? Comment faites-tu? Va naître ça là-bas. Donc, tu n'as pas voulu qu'il naisse ici. Il dit qu'elle a une compte. Ah! Allez ça, sacrilège. Allez là-bas. Elle est trois, elle est partage comme ça, actuellement là. Et voilà, ils vont revenir, ils sont forts. Mais attends, donc, la terre, là, là, tu ne veux pas qu'elle aime son pied. Si, mais c'est pas bien. Ah, c'est pas bien. Non, c'est pas bien. C'est pas bien. Tu as tout eu ici. Ce pays t'a tout apporté. Maintenant, comme tu as un peu d'argent, tu estimes que tes enfants ne sont pas trop intelligents, ou bien trop bons ou beaux pour être en Côte d'Ivoire. Tu les envoies en Europe, ils n'ont qu'à aller se chercher là-bas, ils n'ont qu'à prendre la culture européenne pour venir investir en Côte d'Ivoire. Bah, moi, je ne suis pas d'accord avec la logique. C'est pas joli. Non, c'est pas joli à entendre. Bon, quand tu regardes, le président qui est ici, il est parti où? Il est là. Il a quitté ou pas, Réveti? Il était aux États-Unis. Ah, pourquoi il est parti? Il a dit c'est quoi là-bas? T'as pas une connaissance, il a dit pour venir ici. Mais Ramatoulaye. Ah, faut pas fuir, hein? Attends, fuis pas le débat. Jamais fuir le débat. Faut pas fuir, hein? Moi. Mais c'est ça. Donc tu penses que le président, le fait qu'il soit. Il est parti faire prendre connaissance là-bas, il est venu aujourd'hui là. Il y a les ponts, il y a les routes, il y a les trucs. Donc tes enfants aussi vont partir. Ils vont venir en voyage, ils vont faire caniveau. Nous on fait caniveau, d'autres vont faire les WC, les douches, les lampadaires. Donc chaque président qui va venir a connaissance là. Et puis je profite de ce moment pour dire merci beaucoup à maman Kandia. D'accord. Qui fait beaucoup pour moi. Oui, ça on le sait depuis longtemps. C'est pas faire de politique, je suis pas dans le politique, j'ai pas de parti. Tu es apolitique. Voilà, je suis apolitique. Voilà, c'est maman qui me soutient. Et ma deuxième maman, c'est Raymond Goudou qui me soutient. Également. Donc, vraiment, je dis merci beaucoup à ces dames-là. Mais est-ce qu'elles seront présentes à ton concert? Bien sûr, elle-même est la marraine de la cérémonie. Et maman, Raymond Goudou aussi est la deuxième marraine. Okay. Et il y a Big Joe qui est le parrain économique. Vraiment, je leur dis merci. Et je dis merci à toute mon équipe. Okay. Et à toutes les télés de Côte d'Ivoire. Radio et télévision. Et mais Ramatoulaye, tu ne nous as pas encore donné la date. Hein. Attends, j'allais. Mais tous ces moments-là, bizarrement, elles sont ministres. Moi, je ne comprends pas. Le choix est fait comment? Mais tu as quoi même à moi aujourd'hui? Non, parce que je veux savoir. Tu as cité Raymond Goudou Kofi, Tandia Camara, ministre. Hein? Donc toi, tu n'as pas maman pauvre. Pourquoi elle a fait? La pauvreté ne m'habite pas. Hein? Il a été pauvre dans ma jeunesse. Il ne serait pas pauvre encore pour mourir. Laissez-moi aussi, je vais enterrer à la part dignement. Laissez-moi mourir, normalement, je vais m'enterrer dignement. À la part du domaine, ils sont là. Moi, ça part comme ça. C'est quoi? Il y a deux mamans. Hein? Oh là. Hein? Pour moi, ce n'est pas au stade. Hein? C'est dans le domaine, vous avez moi. Mais c'est pas maintenant. Rendez-vous le 24 septembre au Palais de la Culture. 5 000. Tu es un peu derrière. Et pourquoi? 10 000. Tu vas voir ma nuque. 20 000. Tu vas voir mes narines. Et puis 50 000. Tu vas partir, moi. 100 000. On sort ensemble. 150 000. On va voyager tout cela. Si tu as ta voiture, tu es dans ma voiture. Une voiture qui doit au garage, hein? Ah, tu as pu récupérer ouais, finalement. Il y a prend table pour taper ça. C'est une question que j'ai posée. La voiture est elle est douée en ce moment. Range Rover là. Tu veux dire qu'il a vu le second couleur d'abord? Elle a attrapé. Non, je ne sais plus. C'est le nom. C'est le nom que la j'ai blanche, vu. Là. C'est la blanche. Ah oui, c'est une blanche. C'est la sport. C'est la sport blanche là. Oui, tu as mis ton nom dessus, Ramatoulaye. Il dit, moi, je ne suis pas une menteuse. Si je n'avais pas vu, je n'avais pas demandé. J'ai vu la voiture, a pris la poussière. Puis j'ai dit que voiture là. C'est pour le même Ramatoulaye. On dit oui, c'est l'humoriste là. J'ai dit, mais. Ça fait combien de temps que la voiture est là? On dit, la voiture a duré. J'ai dit, mais il y a quel problème? On dit, ah, voiture, la pièce là, c'est cher. Ramatoulaye ne peut pas payer. Donc il a déposé et puis il est parti. Il est parti. C'est parce que je n'ai pas filmé. La Range Rover, c'est parler. Un moment, c'était garé. Demain, ça tombe. Il y a Range Rover et puis Range Rover. Bon. Attends, tu dis quoi, madame? Attends, tu dis quoi? Désolé, c'est lui qui a posé la question. Non, mais donc tu dis que la Range Rover est des dossiers Yahoo là. C'est pas comme toi, ta Range Rover. Il a portable et puis un téléphone, non? Quoi, tu fais ça?
Donc, c'est quoi la différence entre la range? Je ne sais pas. Tu as dit à portable et à téléphone. Non, mais Naka nous dit la différence, mais moi, il ne faut pas la différence. Attends, Ramadan, il y a quoi et quoi? Il y a téléphone et puis un portable. Donc, il y a range et puis arrange. Oui. Donc, la différence entre toi et pour toi. Il y a du téléphone, toi, tu as moins ça d'arrange. Non, mais, je ne sais pas. Tu veux dire quelque chose, tu veux bloquer en même temps, parler en même temps, je ne comprends pas. Laissez-moi comme ça, s'il vous plaît. Moi, je vais parler de mon one-man show. Je suis enfant de cœur, il doit bouger, me réveille à bouger. Il a bougé parce qu'il a pu récupérer sa range. Tu as regardé, mais il n'avait pas fini de payer les pièces, ses crédits. Mais qui ne doit pas dans ce pays-là? Moi. Aïe, qui ne doit pas? Qui doit pas? Moi, donc, je ne dois pas. Hein? Qui doit mais je ne prends pas crédit. Toi, dans ce pays-là, qui ne doit pas? Dis-moi, donc tu penses que même à la tête du pays, tout le monde doit? On ne peut pas devoir. Donc ça veut dire que ce one man show qui fait la CA, tu prends le crédit. Ah, dame. C'est quand vous allez rentrer, je prends mon argent. Puis demain, oui, tiens pour toi. Oui, mais bon, demain, tu donnes un peu. Toi, quand tu demandes, tu t'es un peu dur. De tiens un peu. Tiens un peu. Toi, quand tu vois là, il faut en courir. Et quels sont les humoristes qui vont t'accompagner sur scène? Il y a Kebaro et puis Bonaza. Justement, Kebaro, là, c'est ta formation? Bien sûr. Mais quand tout le monde dit qu'il est nul, là, ça te fait rien? Tu as déjà entendu que Kebaro est nul? Yeah! Tu peux pas dire que tu n'as jamais vu ça sur Facebook? Oui, oui, oui. On dit que. Et puis les gens disent même que depuis que Bonaza s'est associé à Kebaro, il est devenu deux fois plus nul. Je te parle de quelque chose. J'ai vu ça, mais tu sais, il voit dans ce concert. Ah, donc tu as vu. Non, ça, c'est pas ça, j'ai vu. Non, mais tu as vu. Oui, ça, j'ai vu. Et tu as vu, mais donc, ça, c'est un style. Kebaro, bon, moi, je sais qu'au départ, on dit non, Kebaro copiait sur mon petit qui est salué. On dit force trop. Qui copie, il te copie beaucoup. Non, mais il est marrant, cet enfant, il est bête comme moi. Mais est-ce que le mieux de s'habiller comme une femme? C'est quelle éducation pour d'autres enfants? Aujourd'hui, là, non, quelle éducation? Tes parents parlent éduqués de là-bas, non, qu'à laisser. Non, mais attends, tu es humoriste, est-ce que tu es obligé de te travestir? Depuis qu'on dit que tu es homosexuel, tu vas te fâcher? Oui. D'accord. Donc on considère que Kebaro c'est un homosexuel. Pourquoi? Si ça, pourquoi? Il se travestit, pourquoi il a fait de travesti? Il a traversé où? Aïe, tu le vois pas? C'est pas ta formation? Non, ça, les internautes là, ils en demandent trop. Ils aiment trop séparer les gens. Les enfants vont faire palabre. C'est mes deux enfants. Il a formé un, ils en ont formé deuxième. L'autre il est beaucoup cynique, film. Il est obligé de le mettre dans l'humour, sur la scène. Les deux ensemble. On dit les nuls, il n'a plus qu'on appelle, il n'a plus d'inspiration. Il y a quoi? Vous demandez trop, vous les Ivoiriens. Vous en demandez trop, vous en faites trop. Laissez-nous un peu respirer aussi. Nous sommes des humains aussi, le sang coule dans notre veine là. Maintenant, c'est à moi que tu t'adresses ou bien tu t'adresses? J'ai parlé de la caméra, c'est pas toi qui a commencé. Sinon, c'est ce que j'ai entendu que je suis venu répéter. Non, elle a juste. Mais lui-même, il a vu ça sur Internet. J'ai vu, non. On dit, il n'a pas les nuls, on dit, il ne fait plus rire. On dit, il ne faut rien. Moi, on ne va pas dire ça. Il faut arrêter ça. Attends, elle a dit aussi. Elle est qui au juste? Elle, hein? L'animatrice. Animatrice, elle n'a pas dit dedans. Donc, tu vois, moi, je n'ai pas sort. Quelqu'un m'a pas sort, va te donner ça. Jamais de la vie. Ça ne peut jamais me prendre. Il faut éviter. Ici? D'accord. Dis-nous. C'est Rose. C'est Rose. Toi, tu es. Ah, c'est le collègue de Baz et Thérèse, il faut comprendre. Donc, tu disais, la panthère rose. La panthère rose, c'est mais moi. Mais pourquoi il est fâché? Il fait partie des félins. Bon, ceux qui veulent savoir pourquoi je m'appelle Ramatoula et la panthère rose. Venez le 24 septembre au palais. Moi, j'ai fini. Ah, tu t'en vas comme ça? Tu as fini, non? Aïe. Ah. C'est tout, au revoir. Alors, dames et messieurs, à l'instant, c'était le Fafa avec Ramatoulaye, l'un des meilleurs humoristes de sa génération. N'oubliez pas son one-man show, c'est le 24 septembre au Palais de la Culture. Sortez massivement parce que c'est un artiste pétri de talent et vous réserve beaucoup de surprises. Tout à l'heure, vous avez vu, il a démarré en trompe. En posant la dernière question, c'est quoi la panthère rose? Et vous le saurez à ce One Man Show. Merci à tous ceux qui nous suivent depuis les quatre coins du monde. Merci à Kangala le berger, la marraine Matilda, Ange Bell le cultivateur, le Big Boss Pierrot, tous ceux qui sont connectés, continuez de partager. Que Dieu vous garde et sortez toujours couverts. Big up.